Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. On a rappelé pour dossier sous général là. Et suite à yon rapport qui était sorti le 3 novembre 2015, que une commission d'experts l'État haïtien a créé, a été fait. Je te vois que grand pile problème dans le contrat que l'État haïtien a gagné entre lui-même et trois entreprises qui t'a fourni le courant. Nous voulons parler de Sogener, E-Power et iTrack. Et le rapport a été établi que Société Sogener fait en 2006 à 2016. C'est un rapport partiel, donc environ 123 millions de dollars de surfacturation. En ce sens, et les cabinets Virbonus, Février, Canton et puis Maître Éphésien étaient constitués en de ça. On me dit rapidement, ça m'a dit là-haut, sur le dossier généraux, j'ai engagé seul moi-même. Pas les autres confrères. C'est une position PAM. Eh bien, première action débutée contre Sogener par une plainte que nous avons déposée le 8 novembre 2019. Et après analyse plainte, parquet a été émis des mandats d'amener contre des dirigeants de la Sogener. Ça, c'est un premier dossier qui a rapport avec surfacturation, corruption et autres. Vingon deuxième dossier qui commençait le 7 juillet 2020, côté que l'État ici estimait que la Sogener prend des matériels qui appartenaient à l'État, en centrale Vareux, la mettait au la banque, la prend l'argent sur eux. On n'a pas de droit pour ça. Et un deuxième dossier qui, encore dans le cabinet d'instruction, le 27 juillet 2020, cabinet d'instruction te prend deux décisions, nous voulons dire gel, côté où geler les fonds appartenant à Sogener et mon cap dirigeant, et où te saisi des biens, c'est des mesures provisoires. Maintenant, il y a un paquet de dossiers encore, et soit au civil, et que nous gagnons avec Sogener, il y a un dossier dans le cours d'appel. Et le 2 décembre, nous recevoir en correspondance de la DGI qui dit que un citoyen, un magistrat avocat, moi le magistrat avocat parce que un magistrat qui a marché chercher dossier pour avocat, ce n'est pas juge lié, qui écrit DGI, un juge d'instruction qui respecte tête, lui agit par ordonnance. Lui écrit DGI, EDH, pour dire rapidement, voyez tout dossier qui a un rapport avec plainte contre Sogener. Si vous n'avez pas fait ça, vous avez fait perquisition dans le bureau. Donc, définitivement, on juge d'instruction sur un dossier. Le premier acte pour poser, c'est plaignant, puis c'est l'État haïtien dans le cadre de ça, vous attendez. Et quelques jours après, il y a des décisions qui prend qui permettent que des dirigeants de la Sogener reprennent possession, bien que gagné. Sous décision, ça, moi-même personnellement, c'est une décision provisoire que la justice était prise en saisie, c'est pas en confiscation, et la loi baille à la Sogener possibilité pour que l'ITAL devant doyen, pour te faire lever, c'est pas ça le problème. Mais le problème, non, c'est que depuis en décembre, 6 décembre 2019, tout juge dans la juridiction pour le président, dans le tribunal pour l'instant, il a récusé. Il n'a pas eu à attendre aucune affaire. Il a fait ça même que le juge là attendait. Il n'a pas eu combien d'affaires à attendre parce que dans l'autre niveau, il va l'état. C'est de tout le dossier. Le balai. Maintenant, juge ou bien, Ikenson et Dumé, pas eu le droit. Et comme tout le juge en bas, pas eu le droit pour aucune décision dans le dossier. Non, c'est ça. Nous voulons lancer un appel et faire un rappel à doyen, assurément, avec ça. Eh bien, pour lui
dit à Dumé pour suspendre poser acte dans dossier ça et parce que acte à poser c'est des actes personnels. Maintenant en ce qui nous concerne comme avocat, nous écrit à l'État haïtien en correspondance, nous mandons une rencontre pour capable déterminer meilleure stratégie pour adopter dans ces circonstances là. Jusqu'à présent, il n'y a pas fait de réponse. C'est ça qui fait me dire que je vous dis m'a parlé d'un homme, je donne ma position sur le dossier. Et donc, moi, estimé que pour citoyen Ariel Henry, pour un ministre en exercice, ça, ce n'est pas une priorité. Et pour le monde qui a dirigé Kounyao, le dossier, ce n'est pas une priorité. Et en attendant que moi-même, personnellement, pour une décision, pour me dire, est-ce que je dans le dossier, ça, toujours, est-ce que je parle de concert avec notre confrère, mais je voulais expliquer à la population qui bat le dossier, ça y est, pour le moment. Deuxième dossier, c'est le dossier Jovenel Moïse. Nous connaissons très bien qu'avec l'arrestation Palacios, le 4 janvier qui s'est passé, là, le dossier apprend en leur dimension. Parce que pour avoir interaction entre la justice haïtienne et la justice américaine, pour avoir interaction entre le droit pénal haïtien et le droit pénal américain. Et avant de dire quoi que ce soit, moi, je voulais féliciter, encourager tout le monde qui, même j'avais nous, a agi pour que la vérité faite dans le dossier. Dans le même sens, passé. En ce sens, moi, que Maître Level François, vous voyez, ils font action par devant la justice américaine contre la Colombie et les États-Unis sous responsabilité que tu as gagné dans l'assassinat, nous-mêmes relèl, et pour nous voir qui sont capables de mettre action par nous en commun, comme citoyens. Deuxièmement, nous voulons saluer l'ensemble d'activités et les positions continues que l'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, prend dans le dossier ça. Et nous pensons qu'il faut gagner en volonté citoyenne. Non, ce n'est pas parce que c'est Jovenel Moïse, mais c'est pour nous-mêmes. Assassinat, ça, c'est une atteinte grave à notre souveraineté. C'est même un acte de guerre. Et au nom de notre souveraineté, au nom de notre dignité en tant que peuple, nous avons besoin au moins ça qui est passé. Et c'est peut-être ça, nous voulons dénoncer d'abord la commercialisation de César. Nous apprenons à travers le rapport RNDDH que le cabinet juge Gary Olien, que nous connaissons très bien, un greffier qui fait sol avec sabotage dans le dossier. Et comme si les invitations, les mandats contre le monde, c'est passé derrière. Moi, je lis un rapport RNDDH que ça fait en complicité avec le juge là. Moi-même, je n'ai pas dit ça. Mais c'est ça qui écrit dans le rapport là. Et je pense que d'abord, son honte. Pour payer un dossier aussi important, qu'a traité dans l'autre pays, et pour un greffier, qu'a marché, mandé mon machine, qu'a marché, mandé mon l'argent, fini avec papier, dit que Yabarito a fait pression sur le monde, et juge d'instruction a dû prononcer, sous ça, prend des mesures pour ça, et CSPJ lui-même tout, doit prendre des mesures pour corriger ça, pour sanctionner le monde qui doit sanctionner. Deuxième bagarre là, on a dénoncé, c'est instrumentalisation dossier. Il y a des gens qui pensent qu'avec le cadavre, ça, il y a un pouvoir, mais il y a un empêcher de prendre pouvoir. Donc, il y a un cadavre là sur n'importe qui. Tout à l'heure, il y a un résumé. Donc, je pense que l'importance de ce que ça a pour la justice pays, compte tenu de la dimension de ce que ça prend, il faut que les acteurs politiques agissent avec plus de sérénité. L'autre bagaille que j'ai dénoncé, c'est que ça diversion, manipulation. Et nous sommes capables, dans la lettre que nous avons adressée à New York Times, nous avons parlé de ça blanc américain, de diversion, oui, tactical strategy, ou bien diversion tactics. C'est des stratégies qui, selon nous-mêmes, visaient cacher la vérité dans le dossier pour qu'on qui est ce qui est vrai auteur. On prend un premier exemple. Le 21, ou déjà le 14 juillet, une semaine après, assassinat Jovenel Moïse, gagné notice à Scaracol qui dit de prime suspect, premier monde qui suspecte dans le dossier ça, c'est Tava et Claude Joseph. Il même dit que c'est FBI avec la police nationale qui fait ou information ça. Après ça, nous pas encore. Et nous te comprenons que c'est
pour défendre l'intérêt de la Colombie, parce qu'il y a un paquet de Colombiens qui est impliqué dans ça. Mais diversion ça a eu, prend tout ampleur avec deux articles que New York Times a écrit. Youn le 21 août et l'autre là le 12 décembre. Maintenant, ça qui passait dans l'article ça, il y a rejeté totalement la piste principale de l'enquête que FBI joigne, que Police nationale joigne, que RNDDH dans le cadre rapport de joigne, c'est un complot qui commençait Floride, aux États-Unis, côté que il y a une institution que les CTU qui a dans tête li Antonio Entriago ensemble avec Arcangel Paletel Ortiz, yo mettait ensemble avec un citoyen qui est Walter Bentimilla qui a marché chercher l'argent et bien pour que CTU a recruter des mercenaires, des criminels colombiens, pour terminer non premier temps, kidnapper Jovenel Moïse et retirer le sous-pouvoir. Première tentative là, qui t'a pas fait quelques jours avant 7 juillet, pas fait parce que pas capable de un avion pour y mettre Jovenel Moïse, eh bien, entre-temps, le plan a changé de kidnapping, li vin tourné assassinat, mais plan ça, projet ça, il était supporté par des mouns ici qui sont dans la politique, des mouns qui sont dans la justice, et nous gagnons la liste très longue. Et tel ça, n'est pas marché avec ça, par exemple, New York Times dit que tu as une liste marchande de drogue que Colombie est venue chercher. Et nous-mêmes, nous voulons dire que toutes les pistes doivent être sur la table. Par exemple, moi, j'étais convaincu que dans pile monde dans politique qui pas de Jovenel, même le pas de que le mourir, mais pas de souhaiter le président ou bien souhaiter le tomber à n'importe quel moment, mais il y a dans tout ta souhaité le mourir des monde, par exemple dans PHTK, des monde en dehors PHTK, des monde qui dans politique en général, des monde qui estimait que présent Jovenel était les intérêts, des monde qui ont un gros contrat, monde que il était fermé port, il est pas capable faire drogue, ne pas capable de vendre des armes, tout le monde a aucun intérêt. D'ailleurs, le monde a été le premier suspect, parce que je me rappelle, le 23 juin, dernière fois que je parlais avec Jovenel, qui a besoin de consultation même sous le dossier Tibois, et puis il a dit qu'il connaît, que il a mouru pour contrat gaz, mon agent américain, il a mouru pour contrat courant. Mais elle n'a pas peur. Ça veut dire que il y a un paquet de pistes qui est possible. Moun ki te gen contrat courant que Jovenel et pendant présidentiel te coupé, il est capable de gagner intérêt. Je ne dis pas que c'est eux-mêmes qui fait, mais c'est le premier suspect. Et par exemple, mes rapports RNDDH là, il dit que ma chef police là. Comment il est encore? Comment? Chef police là. Ça t'est là pendant que je suis là. Léon Charles. Et le rapport a révélé que M. parlait plusieurs fois avec Badjo. Bon, mais il dit qu'il va parler avec Badjo. Bon, si elle est dans la liste appel ou bien il fait enquête à travers le judiciaire, c'est vrai. C'est-à-dire que M. Léon Charles vient tout le long gros suspect. Il va continuer à faire ça. Donc, gagner un paquet de monde qui t'a va gagner intérêt pour Jovenel Moïse. Moi, je vais finir. Pour me dire que je ne pas comprendre ce dossier, je ne pas comprendre le comportement du gouvernement haïtien. Comment? Tout citoyen en pays qui est dans notre pays qui est en danger, il mérite protection diplomatique pays. Quel que soit citoyen qui a un dossier devant la justice aux États-Unis, n'importe quel pays, le consulat haïtien, Claude Bois, a supposé et bah, l'assistance, à moins qu'elle prenne information comme ça. Un dossier comme ça, qui devant un juge en Haïti, qui devant tout un tribunal aux États-Unis, yo prend un gros suspect comme ça, m'attend de qui est ce monde, gouvernement haïtien délégué, pour aller défendre les intérêts de l'État haïtien. Parce que comme nous l'avons dit au début, cet assassinat est une attaque sans pareil contre notre dignité de peuple, contre notre souveraineté. Je ne connais pas si c'est par ignorance,
Je ne connais si c'est un acte de complicité tout de la part de mon cap dirigé, mais nous aurions dû sentir les efforts du gouvernement en ce qui a trait à au moins volonté pour connaître ce qui a passé dans le tribunal floridien. Et dernier point, c'est ce qui a passé, je veux dire, au niveau du Sénat. Et moi-même, je comprends ni comme ça. Dans ça, nous sommes là parce que nous n'avons jamais de volonté pour respecter la Constitution. Un bon exemple. La Constitution 87, là, pas jamais prévoit deux ou trois conseils électoraux provisoires. Pour un seul conseil électoral provisoire, pas jamais le conseil électoral provisoire encore. La Constitution prévoit qu'il faut une élection chaque deux ans. Donc, ça veut dire que Sénat, une seule fois que tu as gagné l'élection avec pour faire élection pour trois tiers, un seul coup. Donc, comme nous ne pouvons pas faire ça, nous disons que nous avons même dit tout le monde qui est élu depuis après la première élection, ça, c'est le monde qui est mal élu. Si nous avons fait un raisonnement juridique vraiment rigoureux. Maintenant, nous venons à Carrefour, ça a une situation d'exception. Pas de monde là qui a une autorité que la loi constitution Bayo. Nous avons un état de fait. Nous avons un état de fait côté que. Même si on dit le sénateur, est un bon titre lié. C'est un titre. Titre là, il marche avec des actions, avec des missions. Qui mission, je dis à la, dit le sénateur ça? Qui s'est fait comme travail? Et nous devons même élargir pour tout le monde qui a dirigé. Pour nous dire, nous-mêmes comme citoyens, nous avons comme combien de temps nous avons fait là, même temps, nous connaissons, est-ce que nos citoyens qui habitent Carrefour, qui travaillent, ou pour le travail, qui sont dans la caille en paix? C'est ça, citoyens, ont besoin. Et il y a une chose qui est plus frappant. C'est des jeunes qui, entre 20 et 40 ans, qui, dans un moment qui est plus fort dans la vie, pour être capable de produire, ils ont en plein désespoir dans le pays. Mais qui est-ce capable d'adresser? Est-ce que question mandat à parler en bas pour adresser les problèmes? Même nous dit que lorsqu'on a une situation comme ça, c'est deux bagailles qui font. Ou bien rapport de force, ça devient plus force là. Comme Ariel Henry, à part l'État, dans le monde, blanc, il y a ceci, etc., il passe. J'en ai toujours elle, ou bien gagner le dialogue, gagner le consensus. Pas pour question mandat, pour durer mandat, mais qui ça n'a fait véritablement avec PIA et nous autres. Nous aurions souhaité que ces acteurs-là, imaginez, nous tendez 7 février pour aller en date encore, mais date pour faire qui ça? Est-ce que ces débats, est-ce que ces combats vont changer la réalité quotidienne de tous nos compatriotes? En septembre, non? C'est peut-être nous avons un paquet de paroles en pile. Nous avons fait une bataille. Nous avons besoin de prendre bataille là dans nous. Mais SDP si y a un accord avec un monde qui passe en mine. Nous ne connaissons pas dans la négociation hein, qui mal fait. Qui mal fait. Je dis à nous-mêmes, cette bataille, nous ne pouvons jamais intégrer dans le pouvoir. Oui, mesdames. Je dis, nous-mêmes, nous disons, nous baillons Ariel Henry Dele lundi, s'il va ressaisir pour semaine ça, à partir de lundi, mardi, mercredi, pays après le fermer. Nous allons fermer tout bras de l'État. Parce que je dis, nous gagnons massacre La Saline, nous gagnons massacre Bel Air, nous gagnons massacre Tokyo, nous gagnons massacre Cité Soleil. Nous avons massacre Namaya, nous avons massacre Kafoufei, massacre Delma 32. Je dis à nous avons population, peuple matissant qui a souffri, qui a pris balle. Pas de monde qui levé doit être en lève. En je dis à moun, quoi de bouquet mourir pour grand merci. Moun La Saline mourir pour grand merci. Moun, Mibale mourir pour grand merci dans la cour de Dubaï. Nous avons un gros rasta qui mourit. Nehemi mouri pour bataille là. Nous avons pas 4 militants qui tombent en babal à Kaye pour bataille ça. Nous avons des gens qui kokobe pour bataille ça. Nous avons des massacres qui fait Kafoufei pour bataille ça. Kouabosal krasé pour bataille ça. En Jodia, Ariel Henry, c'est Jovenel qui te l'omène. Nous pas connaître Ariel Henry, mais Ariel Henry nous pensait. Ariel Henry, t'a fait bagay comme un docteur qui là, il t'a pris soin de la population. Il t'a guéri malade.
Mais nous, Ariel Henry, c'est tes affaires zamine, tes affaires ti boubout li, ti ménage li, ti famine, la régler, nous dit nous couper fâché avec accord 11 septembre nan. Nous dit nous clair sur ça. Nous pas capable goumer bataille pour nous bay choix le galonne. Jodi a les diaspora voyon ti cop pour nous. Nous pas capable manger l'argent américain. Yo coupé le dollar 50 là. Jodi a l'école cher dans mon pays. L'école monte tête nèg, l'école paye yo, l'école mère yo. Nous dit jodi a la vie cher et bataille ça tout. Nous pral passer prend ministre commerce là. Nous pral passer prend ministre affaires sociales là. Jodi a pris machine yo pa ka jam peuple la pa ka konnen dans pays an. Je dis à nous même nous fin bataille comme jeune, je dis à son équipe nèg, nous pas connait, nous tendé y a plomé dans bras. Et nan arrêté ça qui sorti là. Nous pas connou moun la donne qui était sous béton en tab goumen. Et je dis à nous dit si Ariel Henry pas ressaisir, nous pral choisir un ministère, n'a prend un militant politique qui tab goumen sous béton pour nous placer dans un bras qui fait nous plaisir, qui ka ba nous travail, qui ka ba nous job tout temps. C'est pas nèg yo qui pourra bien mener dans pays à nous même nous dans quelques camionnettes là. Jodi a nèg la fin sénateur, il fait 5 ans fin goumen le bataille ou elle dans gros kaili. Li wè li dans gros machine ni, li nous même nous dans fatra. Ça veut dire ça. Mais jodi a depuis caoutchouc a boulé c'est nous même, manifestation c'est nous même. Jodi a tout nèg chita y a calé ko yo, mesdames yo même qui t'a goumen dans la ria, gen mesdames la k'ap bataille la Mario kite yo. Gen jeune garçon la madame yo kite yo. Et mais je dis à nous, il y a des journalistes qui mourent, qui prennent balle, il y a des journalistes qui ont pété. Mais là, nous avons perdu les gens toujours. Nous avons des journalistes qui ont assassiné là. Ariel Henry n'a même dit un mot pour lui, même un truc qui va sortir. Ariel Henry. Et mais Ariel Henry levé, il prend tout policier, l'armée, la légo naïve. Et mais je dis à Ariel Henry vient là, les gens matissent mourir. Et mais je dis à nous demander tout le monde au caillou, levé campé. Moun Jacmel, leve campé. Moun Gonaïve, leve campé. Moun Semak, leve campé. Moun nan tout département pays a leve campé. Nous dit lundi, pays a fermé. Si Ariel Henry pas prend décision pour le sortir, on arrête. Pour l'homme tout nèg qui t'a goumé sous béton. Et Ariel Henry connaît équipe qui te chita avec là, pas gen non youn là. Reginald Challenger Bobile t'a goumé. Design Force Canapé vet t'a goumé. Gentil ta bataille. Magali Lacroix ta bataille. Davidson ta bataille. Jean-Robert ta bataille. Ma comprenons Ariel Henry. Et nous avons dit lundi, nous avons planté piquette nous devant Ariel Henry. Tout le monde, nous avons marché avec chaudière, nous avons marché avec bol, nous avons marché avec assiette qui est. Nous avons besoin de quatre pites pour nous marrer devant nous. Et malheur avec la police qui t'a gagné malheur, qui vient tirer gaz. Et je dis à nous dire, moun Matisan ki besoin yo, moun La Saline ki besoin yo. Et je dis à nous fâché, nous pas jouer, nous pas dormir. Parce que Ariel Henry dit li pas courir pour Mardi Gras, li pas courir pour vagabond, nous même nous pas courir pour Ariel Henry. Position secteur démocratique là sous question mandat 10 sénateurs yo jodi a. Information. Vendredi qui s'est passé là, vendredi qui était 7 janvier 2022, j'ai gagné un groupe important, signaté encore en septembre 2021, qui était rencontré avec le Premier ministre Ariel Henry. Et question, mandat du sénateur Sayo, il y a une discussion qui fait sur tout si a été accord qui te participé dans la rencontre ça avec le Premier ministre Ariel Henry. Nous tous nous reconnaître que mandat 10 sénateur Sayo fini jeudi lundi 10 janvier 2022. C'est pas le gouvernement qui va l'envoyer. Le gouvernement a constaté que le mandat est fini. Le gouvernement qui l'a sorti dans l'accord en septembre 2021. Et à partir de ce moment, le gouvernement n'a pas le choix
que de constater la fin du mandat de ces sénateurs. Nous tous nous connaissons. Ces 10 sénateurs ça y est, qui étaient d'accord pour qu'ils allaient aujourd'hui. Hein. Parce que deuxième lundi janvier 2020, Jovenel Moïse te prend décision pour renvoyer 2/3 dans le Sénat. Et il y a un tiers qui te gagne sénateur Cassi, sénateur Jean-Marie Salomon, sénateur Sénatu, sénateur Chérubin, depuis, qui fait seulement 4 ans dans le Parlement alors que tu as un mandat 6 ans. Ils ont perdu 2 ans dans le mandat. Et 10 sénateurs, ça y est. Vous êtes d'accord avec la décision de Jovenel Moïse. Depuis que vous êtes d'accord avec la décision, hein, ça veut dire d'accord que le Sénat lui renouvelé par tiers. Vous êtes d'accord que le mandat est fini jeudi 10 janvier 2022 à tout. Bâton qui était chez nous, c'est lui qui vous bat chez nous. Pas de discussion dans ça, mandat est fini. Et nous tous nous connaissons, on dit à Sénat. Qui te supporte tout désordre, tout dérive, Jovenel Moïse te fait. Non. PIA. Et au dialogue, c'est un tiers Sénat que PHTK a dominé. Mandat constitutionnel est fini. C'est la position du secteur démocratique et populaire. Et donc, groupe signataire à quoi? Qui te rencontre le premier ministre? Cette position, ça, nous battons. C'est position, nous, pour faire mandat. D'ailleurs, il y a 10 nègres qui fait 2 ans, ils ne peuvent pas faire rien, ils ne peuvent pas travailler et puis accoucher. Le mandat est fini, pas de discussion sur ça. La conférence est un peu agitée, nous ne parlons pas à la Kaba Radio, ce sont des amis. Maintenant, il ne faut pas oublier. La Jovenel te fin renvoyer 2/3 Sénat, c'est Sildor. Si tu es le président, et c'est lui-même qui te mettait la police devant pour empêcher le sénateur de rentrer. Je te reconnais que le mandat n'a pas fini dans 2 ans. Je te fais corps avec Jovenel. Le Sénat se renouvelle pas hier. Je dis à mandat est fini. Donc, courage si vous acceptez. Sujet important pour le peuple haïtien. Je dis à ça qui est plus important pour le peuple, c'est la sécurité. Le 11 janvier, le 10 janvier 2022, demain a fait 4 mois depuis nous signer accord 11 septembre. Ce n'est pas normal. Pour jusqu'à présent, gang, assassin PHTK, Jovenel Moïse, qui mettait dans le pays, il continue à contrôler le pays. Nous ne pouvons pas passer Matissan. Département Sud bloqué, département Sud-Est bloqué, Nîmes bloqué, Grand-Anse bloqué, mon CAF. Moun pa kap travesse, moun kap sot nan debatman sa yo, Sud-Est, Sud, Nip, Grandans, Heogan, Tigouav, Grandouav, Gressier, yo oblige al paye motosiklet, $400 pou yo passe pa Boutilier. Ce n'est pas normal. L'autorité de l'État doit être rétablie dans ce pays. Et jodi a nou di, première priorité peuple haïtien c'est sécurité. L'argent est payé, sénateur qui peut travailler. Parce que le mandat est fini, baille la police pour la police baille peuple la sécurité. L'argent est payé, député, baille la police pour la police baille la sécurité. Mais attention, attention. Employé qui n'a pas le mandat, c'est petit peuple là. Ça veut dire que c'est haïtien même avec nous. Il y a président du job, il n'y a pas de droit révoquer. Mais tout cop qui est pour député, pour sénateur, baille la police. Baille la police ZAM pour le café travail. Baille la police hélicoptère pour le faire travail. Baille la police chablindé pour le faire travail. C'est prendre tout l'argent qui a gaspillé. Baille la police pour la police capable de prendre responsabilité. Jodia, la priorité. C'est la sécurité des citoyens. Comment arriver pour la police prendre responsabilité? Comment arriver pour le gouvernement bailler la police moyen pour craser gang et acheter qu'à mettre dans le pays pendant 10 ans? Et puis, l'autre bagaille qui est clair. L'autre bagaille qui est clair. L'autre bagaille qui est clair. Je dis à. Pour ces Petro-Caribéens, il faut le faire.
Et m'a annoncé nous tout le process à devant coup d'appel. Et moi-même, avec M. Marc-Antoine Maisonneuve, nous prenons toute disposition pour mettre le dossier en état. Pour que le plus vite possible, le procès a recommencé devant coup d'appel pour l'église. Le procès massacre La Saline, le procès massacre Bel Air, il faut que vous faites parce que SDP n'a pas abandonné revendication. Peuple-là, il est clair pour tout le monde. Et nous avons dit encore, sénateur Cassidy, nous ne sommes pas d'accord pour après 4 mois, nous signons un accord politique pour PHTK Jovenelis continuer à quimber espace économique, espace financier, l'État. Non, non. Alors, il y a des changements qui sont faits dans l'espace. C'est la position du secteur démocratique et populaire. Et Ariel Henry, Premier ministre, gouvernement, nous n'avons pas accepté PHTK continuer à quimber la douane. Continuer qu'un BBRH, continuer qu'un BAPN, continuer qu'un BDGI, c'est inacceptable. Nous ne pas qu'à quitter le poumon économique du pays, dans le même ancien régime. Il faut qu'il y ait un changement qui fait. Il faut que la condition de la vie du peuple change. Je dis à tous les militants qui l'ont eu, tous les camarades qui l'ont eu, il faut qu'il y ait des revendications qui sont légitimes. Il faut qu'ils participent tout dans le moment. Transition. Et c'est responsabilité SDP. Alors, bataille claire, mandat, monsieur, fini aujourd'hui. Priorité peuple, c'est sécurité. Baille la police moyen pour bailler sécurité. Les trois bagailles, revendication peuple, pas camper dans la route. Pour procès Petro-Caribé fait, procès massacre La Saline, procès massacre Bel Air. Et une barre qui est importante, par la justice, c'est pour l'État bicentenaire, c'est pour l'État bail sécurité, pour avocat, juge capable de travailler. Si l'État n'est pas capable de bail sécurité, c'est pour l'État retirer par la justice là pour mettre dans l'autre côté. Parce que si avocat n'a pas qu'à descendre par la justice, si juge n'a pas qu'à descendre par la justice, pas bien procès pour vous arriver, pas bien procès massacre. Ça c'est position SDP. SDP a continué à défendre la revendication. Peuple là, j'en ai toujours comme fait. La Bible t'a toujours dit, même bon Dieu qui était là avant, c'est lui toujours là, et bien c'est même SDP à qui là. Quand on a dit ça, nous connaissons avec un pilote jusqu'à présent l'intimidation qu'a fait tout le monde. SDP prend ça en charge. Prisonniers politiques qui ont commencé à libérer. L'autre qui va libérer. Bien prisonniers politiques, Jacmel. Faut qu'il libéré. Bien prisonniers politiques au CAI. Gagnez dans le département NIP. Gagnez au CAP, faut qu'il libéré. Quand pile l'autre prisonnier politique pour le prince, n'a pas fait dossier avancé, faut que vous libérez, parce que libération prisonnier politique fait partie de revendication SDP, fait partie de l'accord 11 septembre 2000. Jeudi, ensemble organisation de base, avec militants, qui battent dans le pays, nous jugeons bon. Faut que nous mettions tête nous ensemble. Non plus pour nous faire respecter les droits nous. Mais tout pour nous continuer à mener lit population. Lit peuple à quoi dans nous. Pour nous continuer à mener. Mais tout. Non seulement nous avons mené lit bien. Mais tout. Nèg qui connaît, il a pris deux militants pour régler. Pour faire capital politique, yo, eh bien nous-mêmes, nous disons c'est assez. C'est peut-être ça nous lancer mouvement militant par capote là, qui a toute organisation de base la donne, qui a militant conséquent, yo, nous mettons tête nous ensemble pour nous dire, nèg yo pas fini utiliser nous pour voyager nous jeter encore. C'est peut-être ça. Nous demandons, avec Premier ministre Ariel Henry, toute nomination qui fait dans l'administration publique là, c'est tout ça, dernier ça fait là, yo, nous pas contre moun sa yo ni en pet ni en petit. C'est tizamil, ti ménage li, ti boubout li, li prend le mettre dans l'administration publique là, li nommer comme directeur général. Nous pas un militant, nous pas un leader qui t'a bataille bon côté nous dans moun sa yo. Nous pas ka frapper porte personne moun. Et ben nous dit que cette fois-ci bourik la pa fin travail pour choix là galonné. Si yo pensez nous pral regarder, nous pral diviser en tant que militant, et ben c'est bien côté mal calculé. C'est peut-être ça. Nous lançons l'ultimatum ça à Baynegyo. Nous disons clairement que, à partir de lundi, n'importe monde n'attend nous t'aider,
Qu'est-ce que nous parlons son militant, son monde nous connaît, nous même n'avons choisi un militant, nous n'avons pas de boîte en de pays, nous installer pour nous qui pour représenter nous. Parce que nous bataillons trop pour ces nègres qui sont toujours à pius, ces nègres qui sont toujours bien virés. C'est comme si nous avons seulement petit Dessaline. C'est comme si ces nègres qui sont seulement Pétion à Christophe Tebak de naissance. Nous même nous sommes petits dehors, nous sommes qui viennent. Eh bien, nous clair sur ça. Nous pas prêts de garder eux. Nous prenons la bataille avec eux, non seulement pour nous intégrer la boîte l'État, mais tout pour nous continuer à faire bataille qui est la bataille craser le système. Il faut que nous entrions dans l'État pour nous comprendre l'État bien et pour nous craser le système. Nous clair sur ça. Bataille la plongue, nous connaissons la bataille de longue haleine. Nous ne pouvons pas baguette magique dans le même côté de la nous pas craser ça. Mais nous connaissons que la conviction, nous prêtons là, nous bataille et jusqu'à ce que nous demandions pour nous. À quoi un septembre, nous dit PMAL Henry. À quoi pas pour lui, à quoi c'est pour nous lier. Nous-mêmes, ensemble, organisation qui en dedans, société civile là, qui était pour engagement, pour nous signer à quoi 11 septembre 2021 avec Ariel Henry, dans souci pour payer à te gagner une stabilité, pour nous te débloquer le pays pour nous avancer ensemble. Je vous dis, nous, Ariel Henry, pour à quoi pour lui-même seul, côté que l'a coupé raché pour col, nous dit non. Ça pas fait. Tant pour nous quitter ça passé, nous plutôt rentrer en désaccord ensemble avec elle. Nous-mêmes, organisation de base yo, qui est en dedans, société civile là, nous réclamer délégation yo avec mairie yo. Le plus vite que possible, nous demandons à Ariel Henry, faut arrêter nous, commencer à sortir, étant que délégué départemental. Mais, cap installé en dedans mairie pressé si que li comprendre que à quoi ali pour lui même seul encore côté que l'a coupé raché l'a baptisé en mili nous même n'a bloqué pays à nan men nous mandé pressé nan non mos toute organisation yo qui te signé accord 11 septembre nan nous mandé à Ariel Henry pour tourner sous décision. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es cap tendez dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.